4 minutes. On est live, mais pas live. On est live, on est complètement live. Tout le monde nous voit et tout le monde est content pour l'instant. Tu joues un petit peu personne mal là? Et ton chauffeur? Bon, c'est bon. Donc, en haut, là, on se met en live. Voilà. Merci. Alors, c'est parti. C'est parti. Bonjour. Bonjour, bonjour, bonsoir. Merci à tous d'être là. Je mets le petit micro. Allez, on va le mettre en mode à l'arrache. Thierry, tu peux. Allez. Est-ce que tu peux me faire plaisir, tu peux me faire un petit riff d'Hunter Sandman là? Si t'as le bon son quelque part, le temps que je mette le micro. J'en ai commencé en son cœur. C'est comme ça d'habitude? Bon. J'arrive pas bien à le mettre là. Si vous nous entendez bien, si vous nous voyez bien, n'hésitez pas à le dire dans les commentaires. Normalement, on doit être à plusieurs endroits là, en même temps, sur Facebook, sur YouTube et sur le site MyGuitar. Donc la page principale sur laquelle on va pouvoir répondre à toutes vos questions, c'est myguitar.com/webinaire.
Et c'est là que vous pouvez poser vos questions et qu'on va interagir. Moi, j'ai l'ordinateur à côté de moi, donc je pourrais voir vos questions. Si vous êtes sur Facebook aussi, vous devez nous voir, mais vous êtes pas forcément, vous n'avez pas forcément le même son que sur Vimeo, enfin sur Vimeo, sur MyGuitar et sur YouTube. Donc, allez sur myguitar.com/webinaire avec un E à la fin. Et là, on pourra poser des questions et vous aurez un super son et une super image. C'est good pour toi, Cyril ? C'est tout à fait good. Tout va bien ? Super. Alors, on a plein de trucs à vous dire ce soir. Pourquoi je demandais à Cyril de jouer un petit peu Notre Sandman ? C'est parce qu'on prépare le métal dans la peau. Et voilà, c'est une des chansons qui sera dans le métal dans la peau. Donc, autant vous en faire profiter et vous faire partager ça. Mince, j'ai oublié quelque chose. Mais c'est pas grave, j'ai oublié un stylo, maintenant je peux plus me déplacer. On va commencer ce webinaire. Non mais il me fallait un autre crayon. On va commencer ce webinaire par vous montrer une surprise. On montre une surprise, Cyril ? Alors, grosse surprise en fait. Si vous vous souvenez, cet été, on vous avait lancé un défi. Le défi, c'était d'apprendre à jouer Highway to Hell, de jouer cette chanson de A à Z, de vous filmer et ensuite de publier, de nous envoyer votre vidéo, la publier sur le groupe Facebook ou sur la communauté MyGuitar. Donc on a reçu des dizaines de vidéos et on a tiré au sort un gagnant et ce gagnant, c'est Rémi Linko. Donc il n'a pas encore reçu sa guitare et sa guitare elle est là et ce soir je vais vous la montrer et on va peut-être même se faire un petit way to well, genre 2-3 accords. Ouais. Ça te va? Donc là voilà. Alors, ah là 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 là, tiens, pose la ma guitare là parce qu'on va l'ouvrir ensemble. Donc je rappelle, c'est une Epiphone SG400 Pro. On l'avait pas dit quand on avait annoncé qu'il y avait une guitare à gagner. Mais en plus, Rémi va avoir ce magnifique étui Epiphone, un étui rigide pour pouvoir le transporter. Et là, quand on ouvre, on a la magnifique gratte de Rémi. Couleur Angus, même. Couleur Angus, donc voilà, c'est la couleur Cherry Red. Et ben voilà, elle est toute belle et superbe. Il y a même la partition de Highway to Hell. Il y a tout ce qu'il faut, c'est tout neuf, ça sent bon. Bon, on l'a peut-être utilisé une fois pour faire une vidéo, mais voilà. Bon, je te laisse poser la partition, Cyril. Est-ce que tu peux nous jouer Highway to Hell pendant que je vais chercher un marqueur, parce que Rémi nous a demandé de la signer au dos, donc il voulait une signature de Cyril. Ensuite, je lui ai demandé s'il voulait aussi la mienne, donc on va pouvoir mettre deux signatures. Et ça va me permettre aussi d'aller chercher une troisième surprise que j'ai à vous montrer. Donc pendant ce temps-là, Cyril, si tu peux nous jouer à Way to Well. Et il faut la brancher hein, pour le coup. Donc j'enlève mon micro et je reviens tout de suite. Ne partez pas, on va chercher un marqueur pour pouvoir signer en direct cette guitare. Allez, à tout de suite. Non, elle doit être un peu haute. Voilà, tu es. Oui. Hop. J'ai attrapé le stylo. Elle est pas accordée ? Elle était accordée mais un peu haute. Heureusement, on a un expert. On a Cyril avec nous. Alors. Non, c'est pas l'accordage du siècle. Je suis allé chercher le marqueur. Je suis allé chercher aussi une autre surprise qu'on a à vous montrer. On a un bon son. Ouais, je pense que les cordes sont neuves, faudrait que tu joues un peu Rémi avec. Ouais, bah elle est quasiment toute neuve, hein, à part une ou deux fois où on l'a sorti de son étui. Donc
il faut l'accorder. Bon, en attendant, pendant que Cyril accorde la guitare, elle est cordée là ? Presque. Presque. J'ai un autre truc à vous montrer. C'est cool, hein ? Bah ouais, c'est bien qu'elle est très cool. Je crois que c'est la meilleure version Epiphone pour la SG. Elle a tout l'ancienne, j'aime beaucoup ces mécaniques là. Je les préfère que celles avec les mécaniques en métal là, un peu arrondi. Et voilà. Mais cool, hein. Très cool. Donc, Rémi, on va la signer en direct. Tiens, Cyril, est-ce que tu peux nous faire un petit autographe? Je suis allé chercher un marqueur, une petite signature discrète pour dire. Cyril, voilà, c'est tout. Tu peux juste faire un petit autographe, Cyril, ouais. Je pense que c'est très bon. Et sinon, pour Rémi, ouais, ouais. Rémi, je crois que c'est un I si tu veux écrire. Ouais, pour Rémi. Pour Rémi. Waouh, Cyril, il fait un super autographe. Je vais vous montrer ça juste après. Moi, je vais faire un petit autographe en dessous. On va pas trop écrire, au pire comme ça, Rémi, si tu veux la revendre un jour, etc., tu pourras effacer le marqueur. De toute façon, je pense qu'à force de la jouer, ça va gentiment déteindre sur ton t-shirt. Au début, je joue pas avec des t-shirts trop blancs, parce que c'est un seul. Sauf si t'as un t-shirt noir, ma guitare, et ben, tu vas pouvoir. Voilà, donc Rémi, t'as ta guitare qui est dédicacée au dos, et on va je vais te l'envoyer très bientôt pour que tu puisses la recevoir et que tu puisses la jouer. Donc bravo Rémi encore. Et je vous rappelle que le défi, c'est-à-dire chaque mois, on a décidé d'offrir à tous les MyGuitaristes une leçon en entier pour apprendre une chanson de A à Z. On va commencer par I Wait Well, et là c'est Smells Like Teen Spirit qui est disponible. Donc il suffit d'aller sur le site, de s'inscrire les chansons de A à Z, et vous avez Smells Like Teen Spirit qui sera disponible pendant un peu plus d'un mois, là jusqu'au 1er décembre, et après il y aura une nouvelle chanson qui va arriver. Voilà, et à chaque fois qu'une nouvelle chanson arrive, l'ancienne disparaît. Et c'est un défi, donc filmez-vous, entraînez-vous, franchement c'est que du bonheur et que du plaisir. Donc voilà, je range la guitare de Rémi. Deuxième chose que je voulais vous montrer, parce que la dernière fois on avait essayé de faire une vidéo mais ça n'avait pas marché, donc là on va le faire en même temps que vous. On a reçu ce truc, là. Tu t'en souviens, Cyril? Ouais, c'était, on l'a reçu en retard et tout. J'essaie de voir s'il y a une date. Je vois pas de date. Bon, il n'y a pas de date. Il y a écrit un peu n'importe quoi dessus. Mais j'ai l'impression que ça nous vient de YouTube. Et on voulait l'ouvrir avec vous parce que c'est un peu votre récompense. Alors, je sais plus du tout comment ça s'ouvre, ça. Ah voilà. Donc, je l'ouvre. Et là, qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur? Le fameux trophée YouTube pour les 100 000 abonnés à la chaîne YouTube, pour fêter les 100 000 abonnés. Donc ce trophée, c'est le vôtre, hein, c'est celui de ma guitare aussi, mais c'est grâce à vous qu'on l'a. Donc merci du fond du cœur, on va pouvoir l'afficher quelque part dans le studio d'enregistrement là, ou dans le bureau. Donc merci, muchas gracias. Apparemment, Cyril veut nous faire un petit contexte musical. Non, je voulais juste rebrancher ma guitare en fait. Donc voilà, merci pour ce trophée, c'est grâce à vous. Et on vous le dédie intégralement. Je range dans son petit plastique. Et maintenant, on va passer place au webinaire. On va pouvoir répondre à toutes vos questions. Donc posez vos questions dans les commentaires. Je vous rappelle que si vous êtes sur YouTube, on va pas forcément voir vos questions. Donc posez vos questions sur myguitar.com/webinaire, c'est plus simple et plus facile pour nous d'accéder aux commentaires. Juste un petit truc sur les chansons de A à Z. On a déjà avec Edouard établi une petite liste d'une dizaine de chansons, mais voilà, si vous avez des idées, n'hésitez pas. À vrai dire, on cherche des chansons où il y a une partie rythmique et une partie solo, ou alors vraiment plusieurs parties rythmiques. Enfin voilà, faut qu'il y ait un peu de la variation, qu'il se passe un truc un peu rigolo. Voilà. On n'a pas forcément envie de jouer si vous voulez, c'est pas forcément le but de jouer un full sentimental ou qui va tourner sur 4 accords. C'est sympa de jouer full sentimental, hein, mais voilà, là l'idée dans ces chansons de A à Z, c'est plus d'avoir vraiment des parties de guitare différentes, donc c'est plus, ça va plus taper dans un registre rock, ou alors en tout cas il y a éventuellement aussi, on avait pensé par exemple à Wish You Were Here de Pink Floyd, d'où ça peut être des trucs acoustiques.
Mais voilà, faut qu'il y ait quand même un peu des. Faut que ça soit un peu guitaristique, si vous voulez. Ça peut pas être. On va pas se faire un Johnny Hallyday, voilà. Pour dire ça. Donc, mais en tout cas, si vous avez des idées, n'hésitez pas à nous communiquer des idées. Voilà. Il faut que ça soit quand même. Comme on offre ça à tout le monde, il faut que ça soit un minimum grand public. Donc voilà, ne donnez pas une obscure référence, un truc vraiment trop inconnu. Et ni un truc trop dur, quoi. Ok ? Faut que ça soit que le solo au milieu soit pas monstrueusement difficile. Ouais, d'ailleurs il y avait une question, je crois que c'est une question de Solange que j'ai pu voir, qui me demandait quel est le niveau nécessaire pour faire justement ces chansons de A à Z. Je pense que pour bien les faire, il faut avoir il va falloir avoir au moins un an de rythme dans la peau et puis six mois de solo, je pense. On va taper dans des trucs pas trop méchants. Il y aura peut-être des exemples un peu plus méchants, puis il y aura des exemples un peu moins méchants, plus gentils. Voilà. On me demande aussi quel sera le prochain prix ou le prochain défi. On verra, on n'a pas encore décidé. En attendant, on attend toutes vos vidéos et on attend de voir. De vous voir vous éclater à jouer des chansons de A à Z. Donc vraiment, ça vaut le coup, inscrivez-vous à ça, c'est super. Voilà, j'en profite aussi pour dire un petit mot. En ce moment, c'est l'ouverture des inscriptions pour S'accompagner à la guitare. Donc S'accompagner à la guitare, c'est un cours pour apprendre, comme son nom l'indique, à s'accompagner à la guitare, s'accompagner soi-même au chant ou accompagner d'autres chanteurs. Et c'est Cyril qui nous fait ça super bien, qui a deux super modules. Et en ce moment là, pendant 7 jours, les inscriptions sont ouvertes et il y a 50% de réduction. Donc ça vaut le coup. J'ai mis un lien sous cette vidéo si ça vous intéresse. Alors, les questions. Posez-moi les questions dans le chat, comme ça moi je peux les poser à Cyril, on peut vous aider et répondre en direct. Donc il y a Alexis qui est hyper content de son feedback. Alexis donc qui a la formule VIP, la formule VIP qui permet d'échanger avec Cyril directement sur chaque leçon. Demander des conseils et il est hyper content du feedback que tu lui as fait. Il a dit qu'il avait pleuré, qu'il avait presque pleuré. Donc. Non, mais vraiment, c'était cool, Alexis. Hein. Je réitère, faut pas te dénigrer comme ça. C'était un super moment et pour moi et pour Tony et je pense pour tous les gens qui étaient dans la salle. Donc, pour celles et ceux qui ne sont pas au courant, donc on a fait une rencontre qu'on fait relativement régulièrement. On devrait en faire encore plus souvent parce que vraiment, c'est le fun. On se marre. Comme des fous, voilà, on s'est tous retrouvés. En fait, on a fait ça en deux parties. On a fait d'abord un petit groupe restreint avec les membres ultimes le matin. Donc, on était, je sais pas, une quinzaine, je sais plus exactement où on était, mais voilà. Donc ça, un petit truc un peu plus intimiste, un petit peu plus avec un contact un peu plus rapproché. Et puis l'après-midi, donc voilà, c'était une rencontre qui était ouverte à tout le monde. J'avais donc fait venir Tony, le batteur de mon groupe. Qui est un super batteur et on a joué voilà un peu tout ce qui nous passait par la tête et donc voilà, il y a eu Hotel California, Knockin' on Heaven's Door, il y a eu plein de super chansons et puis voilà avec Alexis tout à fait on a fait deux Hendrix, Little Wing et Hey Joe et Alexis s'en est super bien sorti donc voilà, big up Alexis. D'ailleurs tant qu'on parle de rencontres, j'ai une mauvaise nouvelle sur la rencontre. C'est qu'on a perdu la carte mémoire en fait qui enregistrait toutes les photos, les vidéos de l'après-midi, etc. a malheureusement grillé. Donc on a essayé de contacter le labo, différents logiciels de récupération de données, etc. Et ben c'est pas possible, donc on a tout perdu de notre côté. Alors qu'on a fait venir un caméraman, etc. Donc si vous avez des vidéos, n'hésitez pas à les partager sur le groupe. Si vous avez des photos, partagez-les, on va créer un album. Mais nous, on a plus rien. Donc je suis très peiné par ça et déçu, très triste. Bon, on peut, voilà, c'est fait, on peut rien y faire. Mais en tout cas, pour tous ceux qui étaient là, ils savent que c'était une super journée, que c'était génial et que le temps est passé tellement vite que ça semblait trop court à tout le monde. Donc la prochaine fois, on fera plus long. Ouais. Voilà ce que j'ai retenu. Autre question que je vois, alors deux questions. Une question sur le type de cette guitare, on nous demande quel type, ça c'est type SG, le format c'est, ouais. Voilà, c'est SG, Gibson SG, Epiphone SG, c'était la guitare d'Angus Young,
de la CDC. Et c'est lui qui l'a, on va dire, qui l'a popularisé le plus, peut-être. Quasiment. C'est, je pense que c'est sa guitare iconique. Quand on voit cette guitare, on l'associe directement à CDC. Ensuite, autre question que j'ai vue dans les commentaires. Comment on fait pour avoir les t-shirts? Alors, il y a plusieurs t-shirts. Il y a celui de Cyril. Il a été mis à disposition quelques jours la semaine dernière. Ensuite, on a eu des soucis logistiques. Donc, j'ai fermé la page, mais je vais réouvrir la page. Donc, il y aura plusieurs façons d'obtenir ce t-shirt. Soit vous pouvez l'acheter quand on va réouvrir la page pour acheter ce t-shirt. Vous pouvez le commander et vous le recevrez directement chez vous. Soit vous vous êtes inscrit parmi les premiers en septembre au programme Cette année, j'apprends la guitare. Et dans ce cas, on va vous l'offrir, tout simplement. Et ensuite, il y a aussi celui que je porte là, qui est un t-shirt un peu différent, qui est le t-shirt des membres ultimes. Donc les membres ultimes, c'est une offre très spéciale qui est proposée uniquement le jour du Black Friday. Donc je crois que cette année, c'est vendredi 29 novembre ou 30, je sais plus. Voilà, et à ce moment-là, si vous vous inscrivez et que vous devenez membre ultime, et ben on vous offre ce t-shirt aussi. Voilà pour les t-shirts. Alors je regarde les différentes questions. Alors oui, pour ceux qui savent pas qu'est-ce que c'est ce webinaire et pourquoi on est là, eh bien on est là pour répondre à vos questions. Donc si vous avez besoin d'aide, si vous avez un souci à la guitare, si vous avez une question sur quelque chose qui concerne la guitare, un cours, le fonctionnement du site, ce que vous voulez, eh bien, c'est le moment où vous pouvez nous les poser et on y répond en direct, puisqu'on est là pour répondre à vos questions. Donc c'est pour ça, j'attends les questions dans le chat, et quand je les vois, on y répond. Je la pose comme ça à tout le monde, comme ça tout le monde l'entend, et ensuite on y répond. Donc, d'accord. Alors, je vois, il y a Solange qui dit le cours s'accompagner à la guitare est vraiment génial et quasiment indispensable. Donc elle vous recommande. Et on a aussi Pascal Dupont qui a cru qu'on avait été passé à côté de sa question. Eh bien non, Pascal, on va y répondre. À quand un cours de country? Alors on y a répondu pendant la... On nous a posé cette question aussi pendant la rencontre samedi dernier. Ouais. À quand un cours de country? On va répondre très vite. Ouais. Alors voilà, en fait la country, c'est un genre extrêmement vaste. Parce que en gros c'est quasiment toute la musique folklorique américaine. Donc c'est vraiment extrêmement extrêmement vaste, et à tel point qu'en fait il y a énormément d'artistes country qui sont des artistes en termes de vente de disques du niveau d'un Elton John, enfin voilà, vraiment des gens qui ont vendu des centaines de millions d'albums dont vous n'avez jamais entendu le nom. Donc c'est, déjà ça c'est assez marrant, et donc voilà, c'est un genre extrêmement vaste. Alors, donc il va y avoir en fait un peu plusieurs styles. Il va y avoir le côté un peu country pop, genre Dixie Chicks et tout ça, ça se rapproche vraiment de la pop assez classique. Il va y avoir en gros tout ce qui va être de l'ordre de ce qui va se rapprocher du blues, voilà, en gros une espèce de blues blanc un peu plus country quoi, mais donc voilà, ça c'est la partie que je connais le mieux. Et puis il y a vraiment tout le côté vraiment pur et dur country western et tout. Que ça déjà je ne connais pas du tout, parce que c'est une musique que personnellement j'écoute pas, qui est une musique extraordinairement difficile à jouer en fait, comme souvent les musiques folkloriques voilà. Chez nous en France on a un peu gobé les folklores, donc c'est un peu quelque chose qu'on a oublié, mais par exemple voilà, si vous allez voir des folklores vivants comme le flamenco, c'est des musiques redoutablement techniquement difficiles à jouer. Et la country c'est pareil, c'est-à-dire que tous les trucs vraiment up-tempo, c'est des trucs de picking, faut se lever de vraiment très bonne heure quoi. Donc on va pas faire de cours de country tout de suite. On va pas faire de cours de country tout de suite. C'est pas dans les projets à court terme, peut-être qu'un jour, mais pas pour l'instant. Désolé Pascal, il n'y aura pas encore de cours de country. Voilà. Après, dans les cours de ma guitare, il y a plein de trucs qui vont countryiser ici et là, évidemment beaucoup dans le blues dans la peau. Voilà, dans le rythme dans la peau, il y a quelques chansons countryisantes, mais il n'y a pas vraiment de cours country pur et dur quoi. Voilà.
Je commence à avoir des questions qui apparaissent dans le chat, c'est très bien. Je vais essayer de les prendre dans l'ordre et toutes y répondre. Il y a une question d'Eric qui est assez intéressante. C'est la première fois qu'on a cette question. Qui dit sur ma guitare acoustique, est-ce que je peux l'accorder un demi-ton en dessous en raison de ma tessiture? Mais bien sûr, tu peux. En gros, tu peux accorder tout ce que tu veux comme tu veux, évidemment dans une certaine limite, c'est-à-dire que en fait si tu accordes au-dessus du mi, donc fa dièse et tout, tu vas tordre le manche, donc ça c'est un peu dangereux, à terme ça pose problème à ta guitare, puis tu risques quand même de casser les cordes, mais tu peux tout à fait accorder en dessous, ça c'est pas un problème, il y a effectivement énormément de guitaristes qui jouent en mi bémol, alors c'est plus généralement des guitaristes de rock, hard rock, parce que les chanteurs passent leur vie à chanter des notes sur aigu, donc effectivement si on leur fait un petit rabais d'un demi-ton, ils sont ah merci. voilà, mais effectivement ouais, c'est tout à fait possible, moi j'ai joué sur mon acoustique dans mon ancien projet Soul, voilà, le chanteur était aussi ténor et chantait beaucoup de notes aiguës, et effectivement en live je jouais toujours un demi-ton dessous quoi. Donc j'avais oui une acoustique en mi bémol, ça marche très bien. Si ça te frise un peu quand tu te mets en mi bémol, de deux choses l'une, soit tu rehausses très légèrement le sillet pour que tes cordes soient un peu plus hautes, soit tu mets un tirant un peu plus fort. Moi à l'époque c'est ce que je faisais. Je prenais des Martin, je prenais pas des Light, je prenais les autres, là, je sais plus si les rouges ou les bleus. Les régulars. Les régulars. Ouais. Donc un tirant, pour rappel, c'est l'épaisseur on va dire des cordes. Plus le tirant est élevé, plus les cordes sont grosses et solides. Et plus le tirant est faible, plus elles sont fines. Donc oui, tu peux tout à fait. Ouais. À condition que bien, tu accordes bien toutes les cordes, un demi-ton, ouais. Pas une seule. Ouais, là, sinon, ça va être chaud. Il faut toutes les mettre un demi-ton. Donc tu vas avoir mi bémol, la bémol, ré bémol, sol bémol, si bémol et mi bémol. Alors, Annick qui pose une question sur le cours justement s'accompagner à la guitare. Elle demande si quand on s'inscrit en ce moment on a accès aux deux modules. La réponse est oui, tout à fait. Annick, tu auras les deux modules. En t'inscrivant, il y a deux modules. Un premier module qui permet de maîtriser toutes les bases et les fondamentaux de l'accompagnement à la guitare, on peut dire, plus les rythmiques en croche. Et le deuxième module, c'est consacré à accompagner des chansons qui ont des rythmiques plus complexes, plus riches. Toutes les rythmiques en double croche, les accompagnements en arpège, au chant, etc. Donc oui, les deux modules sont inclus dans s'accompagner à la guitare. Voilà, il n'y a pas de module qui est proposé ensuite. Quand on s'inscrit, vous avez tout. Oui. C'est aussi simple que ça. Et puis voilà, à la fin, il y a quelques bonus. Il y a voilà, toutes les chansons les plus difficiles. qui sont pas forcément des chansons guitaristiquement terriblement difficiles, mais en fait où voilà, la rythmique de la voix tombe à des endroits par rapport à la guitare qui sont vraiment un peu contre nature. Voilà. Enfin, ça me paraît bizarre quand on le fait, mais c'est comme ça. Et du coup, voilà, ça peut être assez difficile. Il y a un exemple qui est très marrant, par exemple, c'est TNT des ACDC. L'intro de TNT, et le oi 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 qui tombe sur 2-4, 2-4, qui tombe dans les trous en fait, dans les silences. Voilà, et donc là c'est assez marrant, ça c'est vraiment un truc assez difficile. Il y a d'autres trucs. Ouais, tu peux nous donner quelques exemples de chansons qu'on va retrouver dans sa compagnie à la guitare. C'est quasiment que des chansons en français. À quelques rares exceptions, tout le premier volume est entièrement en français. Dans le deuxième volume, il y a quelques trucs en anglais, mais ils sont massivement de l'ordre de l'onomatopée, type Hey Jude, voilà. Parce qu'encore une fois, je voulais pas qu'il y ait des gens qui disent ah, moi je parle pas anglais, ça m'intéresse pas, tatata. Voilà. Donc, pour aplanir la difficulté linguistique, j'ai fait quasiment tout en français, ou alors vraiment des trucs effectivement comme le TNT des CDC, où là on fait juste oi, oi, oi. Oui, ça existe dans toutes les langues. Donc voilà, et on va retrouver que des classiques de la chanson française. Je sais pas, il y en a évidemment plein qui sont dans la peau. Il y a, je sais pas, La poupée qui fait nom de Michel Polnareff. Il y a Mon fils, ma bataille de Balavoine, même si en l'occurrence celui-ci n'est pas dans la peau, mais. Il y a. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Je ne sais plus. Il y a
y a Cendrillon de téléphone qui revient plusieurs fois parce qu'en fait on le voit à différents niveaux. Il y a un autre monde. Non, mais je sais plus s'il y a un autre monde. Mais en gros, il y a au moins 20 ou 30 exemples de chansons françaises où ça balaye tous les styles, toutes les configurations. Vraiment, une fois que vous avez suivi ce cours, vous savez accompagner, enfin, vous pouvez accompagner tout. Et puis, effectivement, à la fin, on répond à cette fameuse. Cette question, cette million dollar question, comme diraient les anglo-saxons, cette question à un million de dollars, qui est comment on s'accompagne, je sais pas, j'ai envie de jouer le dernier tube à la radio, je regarde les accords sur internet, voilà, je vois les syllabes qui sont réparties, puis les accords qui tombent au-dessus de certaines syllabes. Une fois que j'ai ça en main, qu'est-ce que j'en fais en fait, et c'est une question qu'on me pose très 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 souvent, et en fait qui n'a pas de réponse simple. Donc il faut prendre le temps de développer cette science de l'accompagnement, il faut en gros développer sa science rythmique, et une fois qu'on maîtrise tout un tas de schémas rythmiques, les croches, les rythmes feu de camp, les doubles croches, le groove acoustique, toutes ces choses-là, et qu'on est capable du coup de, avec un petit peu de logique, de comprendre à peu près ce qui se passe rythmiquement, on peut adapter une rythmique, et puis après, encore une fois, quand on a développé cette science de l'accompagnement, on va jouer et chanter en rythme, d'abord évidemment séparément, voir où ça tombe, et puis du coup arriver à caler les deux ensemble, et boum, arriver à faire ça. Et effectivement, j'ai enseigné ça de nombreuses fois, et je sais que toujours ça partait du principe où un élève relativement débutant arrivait et me disait « Tiens, je veux jouer le dernier machin chose », on écoutait le truc, et puis moi au bout de 3, 4, 5 minutes, j'arrive à jouer et chanter en même temps. Et il me dit toujours, mais comment tu fais, c'est magique. C'est évidemment rien de magique. Tout s'apprend évidemment. Mais par contre, cette question qui est si fréquente parce que c'est une réelle demande et c'est une réelle envie, on ne peut pas y répondre en 3 minutes en fait. On ne peut pas faire un tuto là-dessus. Et c'est pour ça que c'est un bonus qui est offert à tous ceux qui s'inscrivent à s'accompagner à la guitare. Question aussi sur s'accompagner à la guitare que je vois, comme ça on groupe un peu les questions. À partir de quel niveau on peut s'inscrire ? Moi, ce que j'ai dit, c'est si vous avez fait le premier module du rythme dans la peau, vous pouvez commencer à vous inscrire à s'accompagner à la guitare. Ouais. Mais si vous n'avez pas encore touché au rythme dans la peau, vous ne savez pas faire les accords de base et les rythmiques en croche avec des syncopes, etc. Au moins les rythmes feu de camp, c'est peut-être un peu trop tôt et il faut mieux se consacrer au rythme dans la peau. Ouais. Parce qu'en gros, tout est une histoire d'automatisme. C'est-à-dire que tant que le fait de jouer de la guitare vous prend trop de votre mémoire vive, vous ne pouvez pas lancer l'application Chance, sinon votre ordinateur va cracher. Okay, c'est vraiment, je prends l'exemple de l'ordinateur parce que c'est assez parlant en fait. C'est vraiment comme ça que ça marche. C'est-à-dire qu'il faut que le fait de jouer de la guitare soit relativement automatique. Donc, un bon test pour ça, c'est de prendre une rythmique que vous maîtrisez bien. Okay, pour vous dire, est-ce que je peux commencer vous avez, je sais pas, 3 mois de guitare et vous savez pas encore vraiment où vous en êtes par rapport à ça, prenez une rythmique que vous maîtrisez bien, est-ce que vous arrivez à la jouer tapant du pied, et par exemple à dire par-dessus pendant que vous jouez, sans chanter, sans rien, dire je m'appelle, et puis vous me dites votre prénom. Donc, je m'appelle Thierry, je m'appelle Edouard, m'appelle ce que vous voulez. Tout ça, c'est plein d'exercices qui sont proposés dans s'accompagner à la guitare. En ce moment, les inscriptions sont ouvertes, donc vous pouvez vraiment aller voir la page de présentation, il y a plein de choses dessus. Et donc, la condition, c'est avoir au moins fini le premier module du rythme à la peau ou avoir un niveau équivalent. Ouais. Et après, vous pouvez vous inscrire. Et ensuite, une fois que vous inscrivez, tout est inclus dedans. Il n'y a pas d'autres modules après, etc. C'est si vous inscrivez, tout est dedans. Ouais. Disons, si vous avez commencé les cours avec ma guitare, si vous avez fait 3 mois de rythme à la peau, je pense que vous pouvez commencer à y jeter un œil. Si vous venez d'ailleurs, vous n'avez pas forcément pris de cours, il faut que vous ayez au moins 6 mois de guitare dans les pattes parce que. Pour dire qu'on est spécialement bon, mais disons l'apprentissage est quand même assez structuré chez nous, donc disons soit 3 mois chez nous, soit 6 mois ailleurs, ça me paraît un prérequis minimum. Voilà. Donc c'est bien ce que dit Cyril, il dit qu'on apprend 2 fois plus vite chez nous qu'ailleurs. Je vois d'autres questions aussi qui concernent un peu le site, les offres, alors je vais essayer d'y répondre, là pour l'instant il n'y a pas encore de questions techniques. Donc on m'a posé la question, est-ce qu'il y a une offre sur ma guitare qui permet d'avoir accès à tous les cours? Donc la réponse est oui, et cette offre elle est disponible et elle sera disponible uniquement le jour du Black Friday. Le Black Friday c'est le dernier vendredi
de novembre. Donc si cette offre vous intéresse, on vous donne rendez-vous le dernier vendredi de novembre. Voilà, vous aurez vos t-shirts et vous pourrez venir à la masterclass spéciale. Et vous serez invité au masterclass réservé aux membres ultimes. Ensuite, j'ai vu une question de Jérémy qui pose une question sur le blues. Donc, on a vu ça avec Cyril, on va rajouter quelques leçons en effet dans le blues dans la peau, dans lequel on va pouvoir intégrer tous les petits licks qu'on a vus, les solos, apprendre à faire des improvisations, avoir un petit peu de théorie d'harmonie blues. Donc, ça va être ajouté progressivement. Sachant qu'en ce moment, on est en train de filmer le métal dans la peau, donc ça viendra un peu plus tard. Ouais. Autre question que j'ai vue, c'est au sujet de la gamification, c'est-à-dire des badges que vous recevez quand vous terminez une leçon, quand vous terminez un module, des points de progression, etc. C'est un petit peu bancal en ce moment, c'est vrai, ça marche pas au top, mais comme je vous l'ai annoncé, on a un nouveau site, un nouvel espace membre qui arrive très bientôt, et on va remettre ça au carré, et ça va remarcher. Donc, pour l'instant, on a fait des tests, ça marche pas encore parfaitement, mais gardez-les en tête parce que ça va revenir et ça va marcher mieux, et on va vous demander encore votre avis pour savoir ce que vous aimez, comment vous voulez qu'on fasse évoluer les badges, et ensuite on va faire ça. Donc voilà pour les badges, la gamification. Pour l'instant, n'en tenez pas trop compte, si ce n'est que quand vous les avez, bah, c'est toujours cool d'avoir un nouveau badge, de débloquer un cours et tout, mais dans la prochaine version, ce sera encore plus abouti. Donc, il y a une question aussi qui dit: j'arrive bientôt à la fin du blues dans la peau, est-ce qu'il va y avoir une suite? Et il y a deux questions comme ça pour toi, Cyril. Il y a: est-ce qu'il y a une suite au blues dans la peau, et est-ce qu'il va y avoir un pack chanson 2, et est-ce qu'il va y avoir un pack chanson avec toutes les chansons de A à Z qui sont plus disponibles sur la plateforme? Allez, prends pas je lis les prochaines questions, mais tu peux dire oui, non, non. On va les prendre dans l'ordre. Pack chanson 2, alors il verra sûrement le jour un jour, parce que voilà, c'est quand même une question assez récurrente, je sais que vous avez adoré le 1, je vais vous dire oui, on va le faire. Et je pense que c'est comme le blues acoustique 2, vous allez m'avoir l'usure. Vous l'avez tellement réclamé que j'ai fini par le faire. Mais je vous dis ça, mais j'ai pris énormément de plaisir à faire, j'adore ça. Hein, donc c'est pas. Je dis ça en rigolant. Hein. Donc pas chanson 2, donc oui, il va y avoir le jour, encore une fois, mais pas tout de suite. J'ai trop de choses dans la file d'attente. Ensuite, on avait donc le... Est-ce qu'il y a une suite au blues? Alors voilà, ça c'est une autre question relativement récurrente, puisque vous êtes très nombreuses et très nombreux à vous abonner au blues dans la peau, et je vous remercie. Donc voilà, en gros, le cours de blues dure un an, et il est relativement assez complet, donc moi je l'avais pensé comme ça au début. Après, si voilà, vous êtes si nombreux à demander la suite, c'est que vous aimez ça. Du coup, moi je m'étais dit que si je faisais une suite, ça serait plutôt 6 mois de répertoire, quoi. C'est-à-dire que vraiment, voilà, prendre 6 mois, ça fait 26 leçons, une vingtaine de classiques note à note. C'est-à-dire voilà, voir comment Steve Irey joue de A à Z, un cold shot, voir comment un BB King joue de A à Z. BB King, c'est différent parce qu'il n'y a pas vraiment de rythmique, il joue que les solos. Mais... je sais pas comment un Gary Moore fait un Further Up on the Road ou un Clapton fait un Crossroads. Enfin bref, voilà, prendre vraiment du répertoire et voir ça de A à Z, toute la rythmique, voir s'il y a des petites choses qu'on peut rajouter en plus par rapport à ce qu'on sait déjà ou si c'est d'ailleurs que des riffs qu'on maîtrise déjà. Voir du coup des blues dans des tonalités dont on n'a pas encore parlé. Voir le solo note à note, etc. Ça. Voilà. Je pense que si je rajoute quelque chose au blues, ça sera quelque chose de cet ordre-là. Parce que, encore une fois, voilà, je pourrais continuer le cours, si vous voulez, mais il y a un moment où, en fait, à part vous pousser plus dans mes phrases à moi, ce qui devient
à un certain niveau, un certain manque de modestie de ma part. Voilà. Ce qui en fait, ça ne me paraît pas, si vous voulez, extraordinairement pertinent. C'est-à-dire que j'estime humblement être un relativement bon guitariste de blues, mais je ne suis pas non plus un grand maître. Donc, en fait, apprendre les phrases de Cyril Jacob, voilà, ce n'est pas forcément ça qui vous branche et ce n'est pas forcément ça qui est pertinent. Donc, voilà, c'est plus. Là, je vous ai appris les bases du blues. Si on va plus loin, c'est plus. Il y a un moment où il faut se frotter au grand maître, en fait. Voilà. Donc, je pense que si on fait 6 mois de plus, ça sera du répertoire. Ça serait grand maître. Bah, je vous propose une chose. Je vais envoyer un message, pas cette semaine, mais plutôt la semaine prochaine, ou dans 2 semaines, à tous ceux qui sont inscrits au Blues dans la peau. Je vais leur demander, est-ce que vous voulez une suite? D'accord? Et s'il y a plus de la moitié qui me disent oui, et qui prévoient de s'y inscrire, eh ben on la fera. Ok. Ok? Mais ça sera aussi en 2020. Ok? Oui, ça sera 2020, mais voilà, mais on va voir la fin. Ouais. Et l'autre question c'était, est-ce qu'on va proposer, alors pourquoi, plusieurs, pourquoi les chansons d'A à Z qu'on propose dans les chansons d'A à Z disparaissent? Bah parce que le principe c'était d'en avoir une par mois, de vous lancer un défi, vous avez un certain temps pour la jouer, vous faites une vidéo, vous l'envoyez et après on passe à la chanson suivante. Mais c'est pas de constituer un cours de répertoire dispo comme ça. Ce qu'on va faire en revanche, c'est qu'on va les mettre toutes dans un autre cours, une sorte de pack chanson de A à Z qui sera accessible, et je pense qu'il sera accessible le jour du Black Friday. On va faire une petite extension comme ça ou un truc où on pourra s'inscrire et vous aurez toutes les chansons à l'intérieur. Ouais. Et puis on réfléchissait aussi, j'en parlais aussi à la masterclass, parce qu'il y avait donc Tony, le batteur de mon groupe. Et on se disait voilà, il y a une demande qui revient régulièrement, ça serait de faire un cours sur comment on joue en groupe, comment on travaille les répètes et tout ça. Et du coup, voilà, comme dans ces chansons de A à Z, à la fin on finit toujours par un jam along. Et du coup, il y a vraiment l'idée d'être capable de tenir la baraque guitaristique tout seul, quoi. Ça peut aussi être le répertoire de ce cours qui aura lieu un jour où alors, on ira filmer ça dans un vrai studio avec un batteur, c'est un sur Anthony d'ailleurs, et voilà, on fera ça. Donc voilà, ça peut aussi être pensé comme ça, voilà. Parce que d'ici Black Friday, c'est quand même le mois prochain, donc je sais pas si on aura déjà un énorme répertoire constitué. Ce sera peut-être le Black Friday. Tout est ouvert, j'avais. Non, mais je pense que ce sera une offre spéciale qui, si vous êtes inscrit, eh ben, vous allez collectionner dedans toutes les chansons qui seront faites là-dedans. Ouais. Ce qui est plutôt avantageux. Question, on a une question de Tams, sans doute Damien, je sais pas exactement avec ton pseudo, mais il demande à partir de quel niveau on peut jouer du Stevie Ray Vaughan. Il est chaud, il est chaud. Ceci dit, voilà, c'est vraiment partie de ces immenses guitaristes dont tous les morceaux, heureusement, ne sont pas de la même difficulté. C'est-à-dire qu'il y a vraiment des morceaux qui sont injouables, même en dehors du solo. C'est-à-dire que des morceaux comme. Je sais pas, des rythmiques qu'il fait sur des Coulon Strain Weather quand c'est le clavier qui prend le solo et qui se met à faire des rythmiques pas possibles avec des grooves incroyables. Déjà, rythmiquement, c'est d'un niveau stratosphérique. Et en plus, quand il prend le solo, alors là, c'est au revoir. Donc voilà, il y a des morceaux qui sont proprement injouables. Il y a des morceaux qui sont vraiment, vraiment jouables. Encore une fois, je pense à un Cold Shot. J'avais pas plus tard que ce matin. Un feedback de notre cher ami Sébastien, big up Sébastien. Je sais pas exactement depuis combien de temps tu joues Sébastien, mais ça fait 2 ans. Ça va faire 2 ans, quelque chose comme ça. Et franchement, on pourrait publier son call shot si vous voulez, hein, mais franchement, il avait sa belle strat qu'on lui a offert d'ailleurs. La strat, je crois. C'était nous qui l'avons fait. Ouais, je crois, la strat. Ouais. Et il avait mis un preset qu'il a trouvé, je sais pas où, spécial Cold Shot, enfin vraiment, voilà, cette espèce de son caractéristique. Et franchement, il jouait note à note au tempo et c'était vachement bien, quoi. Donc, voilà, Sébastien fait vraiment partie de nos élèves assidus qui travaillent vraiment bien. Mais encore une fois, voilà, je sais pas, ça va faire 2 ans et demi max qu'il est là.
Et il s'envoie un call shot super, donc bravo quoi. Voilà, donc encore une fois, je pense qu'il y a certains morceaux qui sont vraiment accessibles au bout de deux ans si tu travailles vraiment bien. Après, il ne faut pas se mentir, avoir la, la touch de Stevie Ray, avoir le son, voilà. Il y a quand même. Il y a quand même du haut niveau. Voilà, c'est-à-dire qu'en gros, c'est toujours la même chose. C'est qu'arriver à jouer une chanson d'un très grand maître comme ça, en gros, on arrive, je dirais, hormis prouesse technique invraisemblable, on arrive au bout de, d'un certain nombre d'années relativement rapide à 95%. Mais par contre, les 5 derniers pourcents qui nous séparent, nous, humbles mortels, du Stevie Ray ou d'un David Gilmour ou d'un Jimi Hendrix, voilà, cette clique où ils sont. Ils sont une petite 15-20 là, vraiment à être au panthéon des guitaristes. Bon, là, il ne faut pas se leurrer. Hein. Il y a une espèce de barrière, je dirais pas infranchissable, mais disons très difficilement franchissable. Voilà. Mais après, voilà. Ça, c'est la différence entre les simples mortels et les grands maîtres. Mais par contre, arriver à faire un truc qui tient, oui, au bout de deux ans. Au bout de deux ans et demi, trois ans, sur certains morceaux qui ne sont pas injouables, ça se tient tout à fait. Ouais. Question de Thierry, où est-ce que tu passes avec ton groupe? Alors, il y a quelques dates qui sont en train de tomber. Il y a une date à Nice en janvier, le 24 janvier à l'Alterax. Il y a une date qui vient de tomber en juillet. On a un festival à Sontonax ou Sontonax, je ne sais pas exactement comment on dit. Voilà, c'est près de. C'est pas très loin de Bourg-en-Bresse. Donc là, Thierry demandait si on passait à côté de Dijon, bah, Santana, ça doit pas. C'est pas trop loin, mais. Un peu plus au sud. C'est pas trop loin. Ouais. C'est moins loin. Voilà, c'est les dates qui sont en train de tomber. Il y aura sûrement une date aussi en septembre en Alsace, et puis on va essayer de caler 2-3 dates à Paris entre les deux. Ouais, entre janvier, et puis essayer de caler, je sais pas, une date à Rennes, une date à Bordeaux, une date à partout, quoi, histoire d'aller porter la bonne parole et de se marrer surtout. Voilà. Très bien, donc Paris, il y a une date à Paris? Non, en fait on essayait de monter ça avec un autre groupe, ils nous ont fait poireauter un peu, puis du coup ils nous ont planté, mais bref, on va essayer de trouver un... voilà, l'idée serait de faire un coplateau dans une salle un peu sympathique, genre un boule noir, un truc comme ça. Donc, voilà. Et comment s'appelle ton groupe? Il y en a qui savent pas, c'est vrai. Asylum 4, Asylum 4. Voilà. Et vous êtes combien dedans? On est 4. Et ils sont 4. Voilà. Donc voilà, je vois une question de Philippe aussi. Philippe qui. Donc, t'as commencé le rythme dans la peau, tes premières leçons. Pour ça, première question, c'est comment est-ce qu'on fait pour lire les tablatures? Où est la leçon pour apprendre à lire les tablatures? Donc, celle-là, cette leçon, elle est dans le cours débutant. Donc, il faut revenir un peu en arrière. Ensuite, dans quel ordre suivent les cours? C'est 1, on se concentre sur le rythme dans la peau. On se concentre sur le rythme dans la peau tout le temps. C'est le cours de base. Je le dis souvent, c'est la colonne vertébrale, c'est le tronc commun. C'est on fait le rythme dans la peau. Tant que vous ne maîtrisez pas le rythme dans la peau et que vous n'êtes pas à l'aise avec tous les concepts du rythme dans la peau, vous aurez beaucoup de mal à aller chercher les autres cours. Donc ouais. C'est vraiment le rythme dans la peau, le rythme dans la peau, le rythme dans la peau, le rythme dans la peau. Ouais. Surtout les trois premiers mois, il ne faut pas faire autre chose. Quoi. Dans les trois premiers mois, on avait donc inclus les trois premiers mois de DCV aussi, histoire de voilà, vous commencer à vous délier les doigts, mais il ne faut vraiment pas vous rajouter de choses. Au bout de trois mois, si vraiment voilà, vous adorez ça et vous sentez que vous avez un peu plus de temps pour faire autre chose en plus, vous pouvez ajouter un blues acoustique ou un blues dans la peau ou je sais pas, commencer autre chose. Mais vraiment, voilà, tant que vous n'avez pas fait trois mois, il ne faut pas faire autre chose. Et je pense qu'il faut continuer minimum un an. Voilà. Mais encore une fois, au bout de trois mois, vous pouvez faire ça et quelque chose d'autre. Et les trois premiers mois, il faut faire vraiment ça. Se concentrer là-dessus, parce que ce temps où vous allez passer là-dessus, même si voilà, vous avez l'impression à la fin de répéter trop les exercices, parce que voilà, vous avez un peu plus de temps, vous ne faites pas partie de ces gens qui ont juste 12 minutes 27 secondes consacrées à la guitare par jour, ce qui est déjà super. Je ne sais pas tous les jours 12 minutes 27 à consacrer
à des choses annexes de ma vie. Donc voilà, c'est déjà super, mais voilà, vous avez un peu plus de temps. Même si vous avez l'impression que vous répétez trop les exercices, croyez-moi, c'est du temps précieusement gagné pour la suite. Parce qu'en gros, voilà, il y a quand même une énorme partie de ce que vous allez faire à la guitare qui est jouer des changements d'accords et les jouer bien en rythme. Okay, et c'est ça qui fait, encore une fois, c'est ça qui fait qu'on va avoir envie de vous entendre. Que ça soit juste une personne qui est dans la pièce d'à côté ou si vous faites la fête de la musique sur la place près de chez vous le 21 juin et qu'il y a une centaine de personnes ou plus, okay, ce qui fait qu'on va avoir envie de vous entendre, c'est que votre rythmique, elle est entraînante. Okay, c'est pas le solo que vous allez faire au milieu. Okay, voilà, celui-là, il va peut-être vous amener les 30 secondes de gloire et c'est super, moi j'adore le solo, hein, c'est pas le problème. Mais encore une fois, pensez bien, on parlait de Stevie Ray tout à l'heure. Tous ces immenses guitaristes sont certes des immenses solistes, mais avant d'être des immenses solistes, ce sont des immensissimes rythmiciens. Okay, que ce soit Stevie Ray Vaughan, que ce soit Eddie Van Halen, voilà, tous ces gens-là, Jimi Hendrix, voilà, mettez de côté leur solo, ils sont toujours aussi connus. Okay, parce que quand ils jouent des rythmiques, il se passe quelque chose. Quoi. Voilà. Encore une fois, moi j'adore Stevie Ray, mais je suis encore plus fasciné quand c'est l'organiste qui fait le solo et que la caméra filme la rythmique. Quoi. Là, je trouve que c'est juste prodigieux quoi. Et donc voilà, jouer des rythmiques, jouer ça bien groovy, bien en place avec les accords qui sonnent bien, c'est ça qu'on vous demande. C'est pas le solo, c'est la cerise sur le gâteau, donc c'est cool. Moi, j'adore les cerises sur le gâteau, mais il vaut mieux avoir le gâteau. Très bien, on a une question de Christophe qui est assez vaste aussi. Christophe nous demande comment composer un morceau instrumental à la guitare. Effectivement, la question est extrêmement vaste parce que déjà, stylistiquement, ça va aller. Ouais, moi, je pense qu'il y a une condition de base, c'est avoir suivi la théorie à l'info. Pourquoi ? Parce que déjà, on apprend pas mal de bases et en plus, il y a un petit module justement sur comment composer sa chanson. Ouais. Mais ensuite, vas-y, je t'ai coupé, je t'écoute. Stylistiquement, c'est très vaste, un morceau instrumental à la guitare, parce que ça va aller d'un truc un peu d'inspiration guitare classique, genre Private Investigation de Mark Knopfler, Dire Straits, même s'il parle par-dessus, mais bah, une bonne partie du morceau est quand même instrumentale. Des trucs hispanisants, type Rodrigo et Gabriela, ou toute la guitare, Paco de Lucia, etc. etc. À tout ce qui va être Joe Satriani, Steve Vai de l'autre côté, donc très électrique, très saturé, à tout ce qui va être bluesy, je sais pas, la version Little Wing de Stevie Ray, enfin voilà, c'est des morceaux instrumentaux à la guitare, il y en a juste des wagons dans des styles très différents. Donc déjà, il faut savoir dans quelle direction tu pars. Pour que tu aies un truc intéressant à raconter, il faut plusieurs choses. Déjà, il faut avoir un truc à dire, c'est quand même la base de la composition, c'est-à-dire que certes, il te faut de la théorie, certes, il te faut de l'oreille, il te faut tout ce que tu veux, mais il faut d'abord avoir un truc à dire. C'est-à-dire que pour écrire un roman, il faut savoir écrire, mais il faut avoir un truc à dire. Si j'écris un roman sur mon t-shirt noir, à moins que je sois vraiment un génie, que j'ai un truc incroyable à dire sur l'histoire d'un t-shirt noir, mon roman, il va pas être fabuleux. Okay, donc, ça paraît un peu bête à dire, mais c'est quand même très vrai, il faut avoir un propos. Il faut avoir envie de dire quelque chose au monde qui nous entoure. Et après, effectivement, voilà, t'as toujours un peu, je dirais, deux perspectives pour la composition et qui, à la fin des fins, doivent se rejoindre. En fait. Mais disons qu'il y a toujours voilà, un peu deux portes d'accès à ça. T'as soit, effectivement, la théorie dans la peau, qui va donc t'apprendre la théorie, qui t'apprendre, voilà, quand tu pars d'un accord, quels sont les accords qui sont directement proche, ou alors justement tu as envie de faire un saut pour emmener l'auditeur dans un autre univers, donc tu vas faire une modulation, donc voilà, ça c'est le savoir théorique. Et puis tu as l'autre côté qui est le côté de l'oreille, qui est que bah, effectivement les musiciens depuis toujours en fait écrivent certes de manière théorique, mais ils écrivent aussi, et j'ai tendance à penser principalement avec leur oreille interne. Okay, c'est-à-dire que même un Beethoven, à la fin de sa vie, quand il est sourd, il écrit la 9e, il est complètement sourd, il est évidemment incapable d'entendre le rendu
acoustique quand les musiciens le jouent, mais par contre dans sa tête il entend parfaitement tout, tout puisque c'est lui qui l'a créé. Donc voilà, donc c'est effectivement, voilà, quand il entend bam bam, bah, il sait que ça c'est une quinte, et donc s'il a besoin d'écrire une quinte, il écrit voilà, je sais pas, do, sol, bam, c'est une quinte quoi. Si il est en do, bref, la mi, enfin bref, peu importe. Donc voilà, tu vas avoir cette porte là, c'est-à-dire que si tu vois, je prends ma guitare, je sais pas, je partir de n'importe quelle note. Voilà. Puis je sais pas, j'ai une mélodie qui me traverse la tête, voilà, je vais le faire à l'arrache, hein, bon, ça va pas être la plus belle mélodie du monde, hein, mais. Voilà. Imaginons que ça soit la mélodie que, sur laquelle je suis en train de partir. Voilà. Donc, il faut en gros que tu sois capable de retrouver la mélodie que tu as dans ta tête, évidemment sur ta guitare, donc ça tu vas l'apprendre avec l'oreille musicale du guitariste, et puis développer ça, et retrouver ta mélodie, et aussi entendre, parce qu'en fait, c'est ça le petit truc de la composition, c'est qu'en fait, notre voix est monophonique, c'est-à-dire qu'elle ne peut chanter qu'une seule note à la fois. Par contre, notre oreille, elle est polyphonique, c'est-à-dire qu'effectivement, elle est capable d'entendre 150 sons à la fois. Et donc en fait, quand on a une mélodie dans la tête, on peut certes chanter que la mélodie, mais par contre, en fait, dans notre tête, il y a quand même toute une espèce d'orchestration derrière. Donc du coup, est-ce que derrière ça, est-ce que je vais avoir Ré mineur, ok? Ou est-ce que je vais avoir, je sais pas, voilà, je vais avoir un sol derrière, ok? C'est pas la même chose. Voilà. Donc en fait, ça, c'est à toi en tant qu'artiste, ok? Même si t'es artiste amateur et c'est ta première chanson, c'est quand même une démarche d'artiste, c'est à toi en tant qu'artiste de dire, bah voilà, moi j'ai envie que ça soit ça. Et d'entendre toute ces différentes strates, effectivement, ça, c'est ça s'apprend dans l'oreille musicale du guitariste. Mais encore une fois, tu peux aussi partir d'un point de vue théorique, c'est-à-dire si tu es en Do majeur, tu sais que bah, si Do majeur est ton premier degré, Ré mineur est effectivement ton deuxième, Mi mineur ton troisième, Fa majeur ton quatrième, Sol est ton cinquième. Voilà, donc, voilà. Soit tu fais 1-2, soit tu fais 1-5. Une fois, c'est pas la mélodie du siècle, je vais pas en faire un tube. C'est juste, voilà, j'ai pris un exemple de ce qui me passait par la tête. Et ça marche comme ça, quoi. Voilà, donc tu as vraiment ces deux portes d'entrée qui sont la théorie d'un côté. Donc, si c'est ça qui t'intéresse, tu vas voir du côté de la théorie d'un pot. Si tu as plutôt envie de passer par un truc sensoriel, va voir du côté de l'oreille musicale du guitariste pour développer ton oreille. Mais encore une fois, à la fin des fins, les deux sont nécessaires, et surtout à la fin des fins, pour écrire des bonnes chansons, en fait, il faut avoir les deux, quoi, ok? Et tous les grands musiciens ont les deux, ok? C'est ça qui est très important, c'est qu'il faut surtout pas se dire, ah, les musiciens classiques, ils écrivaient directement sur partition, ils le faisaient pas à l'oreille, totalement faux, ok? Et de l'autre côté, ah, aujourd'hui, c'est des musiciens de rue, ils ont des oreilles de folie, mais par contre, ils connaissent rien, totalement faux aussi, ok? Ils sont peut-être pas capables de le formuler de manière parfaitement théorique, c'est-à-dire de dire, ok, le sol c'est le cinquième degré qui est un cinquième degré dominant de Do majeur. Enfin, ils sont peut-être pas capables de vous le dire ça comme ça. Par contre, ils savent exactement vous le dire d'une autre manière. Enfin, donc, encore une fois, voilà, je veux dire, un Stevie Wonder est tout aussi génial qu'un Ludwig van Beethoven, et un Ludwig van Beethoven est tout aussi génial que Stevie Wonder. Enfin voilà, les deux, même s'ils n'ont pas du tout la même formation, même s'ils n'arrivent pas à la musique par le. Par le même endroit, ils arrivent au même endroit à la fin de fin. Dans des styles évidemment radicalement différents, bien sûr. Question en rapport avec ça de Didier qui dit à propos de la composition, est-ce qu'un enseignement très didactique et structuré ne risque-t-il pas de faire perdre une certaine originalité ? En fait, si vous voulez, on va philosopher là. Ouais, on va philosopher parce qu'en fait, c'est une question très profonde. Un enseignement artistique, il ne peut pas aborder la question de la composition. C'est-à-dire qu'il peut,
c'est comme ça dans tous les arts, c'est comme le, par rapport au tableau. On le voit bien dans plein de tableaux du 19e siècle, il y a effectivement tout un tas de peintres très officiels du 19e siècle qui étaient techniquement des génies, mais qu'on n'a juste plus du tout envie de voir, parce qu'en fait ils n'avaient rien à raconter. Okay. Donc voilà, l'enseignement sur la composition c'est exactement ça. C'est un peu, voilà. Moi, comme n'importe quel autre prof qui sait à peu près ce qu'il raconte, peut vous enseigner tout à fait l'oreille, qui est effectivement un moyen d'y arriver, peut vous enseigner tout à fait la théorie, peut vous enseigner toute la technique pour jouer tous les plans que vous aurez dans votre tête, mais par contre ne peut pas allumer l'étincelle créative. Ça, je veux dire, ça c'est un truc qui a à voir avec vous, votre âme, ok, votre spiritualité intérieure, quelle qu'elle soit. Voilà, c'est quelque chose de l'ordre de la créativité. Il y a des gens qui sont très en communication avec ça, il y a des gens qui ont complètement coupé le... En gros, c'est un truc qui a à voir avec l'enfant intérieur. Hein. C'est, quand on est enfant, on est créatif de tout. C'est-à-dire qu'il se passe un truc, on va tout de suite, on se raconte une histoire, blablabla, ça part. Okay. Il y a des gens qui sont restés très en lien avec cette enfance. Okay. Parler de ma vie privée, mais voilà. Moi dans ma vie il y a effectivement plein de trucs où je considère que tout est un jeu et toute chose qui n'est pas un jeu a tendance à m'ennuyer férocement. Voilà, c'est une force dans ce que je fais, par contre c'est une faiblesse sur plein d'autres points de la vie, enfin voilà, ça, c'est comme tout. Hein. Mais il y a plein d'autres gens, voilà, qui sont complètement coupés de ça, c'est-à-dire qu'ils sont passés dans un jour, ils ont décidé qu'ils étaient adultes, voilà, donc ils sont très adultes, très responsables, très organisés, très machin. Et c'est une force, mais c'est aussi, effectivement, ça va être une faiblesse s'ils veulent aller de ce côté-là, c'est-à-dire qu'ils ont coupé le lien avec ça. Donc voilà, ça, le, encore une fois, c'est cette flamme-là, il n'y a que vous qui pouvez l'allumer. Aucun prof du monde, aussi talentueux soit-il, aussi formidable, aussi extraordinaire, aussi génial, il peut pas vous dire de dire quelque chose. Ce truc à dire qui est au fond d'un tableau, qui est au fond d'une œuvre littéraire, d'une œuvre musicale, d'une œuvre cinématographique, d'une sculpture, de ce que vous voulez, c'est l'artiste qui l'a ou qui ne l'a pas. Okay, c'est-à-dire, il y a des tableaux qui sont mal peints techniquement, qui vous racontent toute une histoire. Il y a tout un tas de tableaux voilà, peints de fresques officielles. Je vais aller dans n'importe quelle mairie, dans la salle de mariage, à regarder la fresque du plafond. Voilà, c'est souvent techniquement très bien peint. Franchement, on n'a pas la main dans ce salon. Bref. Bon, on pourrait disserter des heures, ça c'est intéressant, mais bon, c'est pas... Voilà. Ça vient aussi par l'expérience. Ouais. On a Rémi qui vient de nous rejoindre, donc Rémi, big up, bravo. On a ta guitare avec nous, on l'a présentée au début du webinaire, donc tu pourras regarder ce début où on la déballe, et, etc. Et aussi où on lui fait un petit graffiti là, au dos. Donc, une fois que le webinaire sera terminé, regarde le replay, ça devrait te plaire. Ouais. On l'a même accordé. Ouais. On n'a même pas fait de dessin. Ouais. Dessin moche. On aurait pu faire des cœurs ou des bites, mais on l'a pas fait. Enfin bon. Voilà, t'as de la chance, tu vas recevoir ta guitare, on va trouver un moyen de te l'envoyer. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va commander la prochaine qu'on va offrir, et avec le carton, on va emballer la tienne pour pouvoir l'envoyer. Ouais. On va sans doute faire un truc comme ça. Une pyramide de points de vue. voilà. D'autres questions. Alors, je regarde. Il y avait une question de Philippe aussi. Philippe. Alors, Philippe, tu fais partie de ceux qui sont inscrits au programme Cette année, j'apprends la guitare en septembre, qui est un programme qui ouvre ses portes uniquement en septembre et qui crée un groupe qui va apprendre la guitare avec nous pendant un an. Donc on est en train de créer dans ce programme, il y a en plus une mise en contact avec des gens qui habitent pas trop loin de chez toi. Donc on est en train de finaliser ces groupes de progrès. Ensuite, nous on sait pas si ça va matcher, si vous allez bien vous entendre, etc. Mais en tout cas, on va te mettre en contact avec des gens qui habitent à côté de chez toi. Et ça va arriver très bientôt. Là on est en train de finir la liste des parrains qui vont venir vous soutenir. Et on a aussi créé un groupe réservé aux élèves de ce programme et du rythme dans la peau qui s'appelle les My Guitaristes. Normalement, tu as reçu une invitation et dans ce groupe, tu vas pouvoir échanger avec tout le groupe entier qui a rejoint ce programme. Cette année, j'apprends la guitare. Voilà, c'est pour te rassurer, Philippe.
Et juste pour info, voilà, sachez qu'il y a une super ambiance dans la communauté. Donc samedi, il y avait donc la rencontre. Je sais qu'il y a donc Jérôme, alias Nash, et Michel qui ont dormi chez Alexis. Et au vu de la tête d'Alexis dans son feedback de dimanche, il avait l'air un peu fatigué. Je pense qu'il m'a dit qu'ils sont finis à 3h du mat. Voilà. ils sont bien marrés comme des coquins. Voilà. C'est bien, t'as bien raison. très bien, très bien. Je sais pas si j'ai loupé des questions, mais si j'en ai loupé, n'hésitez pas à en reposer. Là, j'en vois plus en réserve. Donc n'hésitez pas à y aller. Comme ça, je peux voir s'il y a des questions qui arrivent et on peut y répondre. Alors, une question que je vois sur. Une question dans les commentaires. Quand on débute, généralement on a souvent mal aux doigts, n'est-ce pas? Pendant combien de temps on a mal aux doigts et au bout de combien de temps la douleur s'estompe? Ou disparaît? Oh, ça va assez vite quand même. Voilà. Je dirais qu'il y a un. Bon, alors, c'est vraiment douloureux 7-10 jours. Au bout de 15 jours, ça commence à diminuer. Je pense au bout de 3 semaines, on n'en parle plus. Quoi. 3 semaines, 1 mois. Et ensuite, si vous jouez régulièrement, cette douleur ne revient pas. Enfin, sauf si vous jouez trop longtemps, à un moment, ça peut revenir. Auquel cas, vous faites une pause et vous reprenez plus tard. Ouais. Mais sinon, après, tant que vous avez la petite corne qui est poussée sur les doigts de la main gauche, si vous êtes dentier, bien sûr, eh bien, ça ne revient pas. Vous n'avez plus jamais mal. C'est fabuleux, le corps. Ouais, y a juste, moi, je me souviens quand souvent je revenais de vacances. Vous savez, je prends des vacances assez longues. souvent, en fait, je reviens de vacances et j'attrape ma guitare, je suis super content. Et donc, je joue pendant assez longtemps, puis je fais plein de plans. Et souvent, je finis, en fait, je me rends pas compte et je finis avec les doigts en sang parce que j'ai plus du tout de cordes. Et puis, en fait, je suis tellement content que je ne sens pas la douleur. Pendant 3-4 jours, je peux plus jouer. Mais... Les doigts sont plus habitués. Mais c'est pas grave, j'ai une kiff. Il y a JLB62 qui demande un peu quel va être le programme du métal dans la peau. Est-ce qu'on peut lui jouer des petits riffs qui vont se trouver dans le métal dans la peau? Ouais, on peut tout à fait jouer des petits riffs qui vont se trouver dans le métal dans la peau. Quelques-uns, juste pour donner un petit avant-goût. De titres en tout cas, des plus accessibles aux plus difficiles. Le format du. On va dire que, avec le métal dans la peau, à la fin, vous allez savoir jouer au moins 52 chansons ou riff métal, chansons en entier de métal. Alors, en fait, il n'y en a pas tout à fait 52 parce que, voilà, à vrai dire, vous m'avez posé une question qui au début m'a longtemps paru insoluble. C'est qu'en fait on a fait un sondage sur le métal dans la peau pour savoir quelles étaient vos attentes, et en gros vous aviez deux attentes principales qui étaient que ça soit un cours accessible relativement aux débutants, mais aux semi-débutants. Enfin, ça part d'un niveau relativement accessible, et
qui est en même temps des chansons en entier. Or, dans le métal, c'est vraiment un peu la quadrature du cercle, parce que chanson en entier égale solo, et métal égale solo qui tâche. Solo vraiment, vraiment difficile à jouer. Donc, en fait, voilà, il y avait une espèce d'équation un peu difficile à résoudre, et donc, au début, je me suis dit, j'ai chauffé de la cervelle pendant un certain temps. Et puis, à un moment, c'est comme dans les dessins animés, il y a une petite ampoule qui s'est allumée à côté de ma tête. Et je suis arrivé à cette version où je me suis dit, voilà, je vais faire en fait des modules de 4 semaines. Et sur ces 4 semaines, je vais faire 3 chansons en entier uniquement rythmiques. Et sur la 4e semaine, je vais prendre un des 3 morceaux et je vais ajouter le solo. Donc du coup, comme ça, il y en aura pour tous les goûts. C'est-à-dire que si par exemple je prends la première session, il y aura donc Enter Sandman, Smoke on the Water et You Shook Me All Night Long, respectivement Metallica, Deep Purple et AC/DC. Voilà. Il se trouve qu'en fait Smoke on the Water et You Shook Me All Night Long sont déjà 2 solos qui sont dans Solo dans la peau. Donc du coup, alors, je trouvais ça un peu redondant, sachant que je sais bien qu'il va y avoir plein de gens qui vont s'inscrire au métal dans la peau, qui sont déjà inscrits au solo dans la peau. Enfin, je ne voulais pas qu'ils aient des redites. Donc du coup, je me suis dit, non seulement ça ne fait pas de redites, mais en plus du coup, ça complète les chansons. C'est-à-dire qu'ils savent jouer le solo, ils vont aussi savoir jouer toute la rythmique, donc ils vont pouvoir sans qu'il y ait de morceau entier. Donc voilà, donc les parties rythmiques sont plus accessibles, même si encore une fois, c'est ce que je vous dis dans le métal dans la peau. On se rend compte quand même à la fin, quand on a fini de Jamelon, qu'envoyer toute la chanson, toutes les rythmiques avec la super énergie qu'il y a dedans de A à Z, c'est pas, même si les rythmiques, en l'occurrence les premières, sont pas si difficiles que ça, purement rythmiquement parlant, c'est pas non plus du gâteau quoi. Mais disons, encore une fois, c'est accessible, ce qui était votre demande, donc ça c'est accessible, et puis donc à la fin, on va donc prendre le solo d'Enter Sandman. Qu'on va donc rajouter à la rythmique, donc à la fin du premier mois, il y aura Enter Sandman de A à Z. Et là, voilà, ça c'est la partie qui va parler aux plus expérimentés, puisque le solo d'Enter Sandman, même s'il ne fait pas partie des solos les plus difficiles qui soient en métal, faut quand même s'accrocher sévèrement. On est à 125 à la noire, quasiment tout est en double croche de A à Z, et il y a plein de petits passages avec des petites triples croches en plus. C'est pas injouable, mais il faut quand même en avoir un petit peu en réserve quoi. Ok, donc voilà, du coup ça paraissait une approche assez complémentaire. Encore une fois, les moins expérimentés peuvent se faire plaisir avec, encore une fois, ces rythmiques sont fabuleuses, que ce soit Metallica, Deep Purple ou AC/DC pour les 3 premières, enfin vraiment je dirais spécialement Metallica et AC/DC, voilà, il y a vraiment deux grands génies de la rythmique, sont James Hetfield d'un côté et Malcolm Young de l'autre. C'est vraiment, il y a vraiment matière à dire sur leur jeu rythmique et vraiment matière à apprendre énormément. Donc voilà, du coup, on essaie de s'en rapprocher vraiment plus. Donc cette première partie est accessible à tout le monde, et puis voilà, dernière semaine. Sachant que voilà, vous avez eu quand même un morceau toutes les semaines, donc pour les moins expérimentés, la semaine de solo servira de semaine de répit. Okay, c'est, du coup, d'avoir 3 morceaux en 3 semaines, vous aurez 3 morceaux en 4 semaines. Et puis bon, pour ceux qui sont plus avancés, ils pourront s'envoyer le solo et ils seront contents. Voilà, donc le métal dans la peau va marcher comme ça. Et puis encore une fois, on va essayer de brosser toutes les variations du métal. Un métal qui est en fait un style où il y a 2 milliards de niches, le death metal, le thrash metal, le symphonic metal, le doom metal, le death thrash metal, encore dark. Il y a juste 250 000 chapelles. Donc voilà, on va. On va quand même balayer les plus grands classiques. Balayer tous les plus grands classiques. En gros, tous les plus grands classiques de guitare metal. Quoi. Sachant que c'est déjà un style très orienté guitare. Mais voilà, on va aller voir du côté de tous les plus grands classiques de la guitare dans le métal. Et ce qu'il faut voir aussi, c'est qu'il va être progressif, c'est-à-dire qu'au début, il y a les chansons les plus accessibles et à la fin, il y aura les plus avancées. Oui. Je vais pas dire les moins accessibles, mais il y a vraiment des trucs. Donc, qui sont... Donc, en le suivant, c'est un peu comme le fog, vous allez, le niveau va terriblement augmenter. Ouais. Vous avez terriblement progressé. Mais pour vous dire, en gros, j'ai pas encore
ça va faire à peu près 39 morceaux, je crois, on avait calculé. Pour l'instant, on a déjà 39. Ouais, on n'a pas la liste, on en est une trentaine, mais ce qui est sûr, c'est que vers la fin, il y a des Iron Maiden qui sont, enfin voilà, c'est les solos, ils sont, même moi, si vous voulez, quand je l'écoute, je me dis, ouais, il va falloir jouer ça note à note, pile poil comme il faut, voilà, je me dis que je vais y arriver parce que je vais y arriver, mais franchement, c'est chaud, quoi, voilà, on est vraiment dans un truc... Techniquement c'est un virtuose. Ouais, c'est un vrai fabrique, c'est, je veux dire, c'est gala, c'est des tueurs, donc faut s'accrocher, quoi. Donc il y aura du Iron Maiden. Ouais, bien sûr, c'est quand même un... En gros, on va vraiment s'appuyer sur les groupes phares qui sont Metallica, Iron Maiden, AC/DC, c'est ce qui était dans votre liste, hein. Voilà. Il y a quelques-uns qui ont sorti des trucs plus hardcore, genre Cannibal Corpse, Children of Bodom, etc. On leur fera peut-être un petit coucou en passant, mais je pense qu'on va plutôt rester sur les classiques. Je pense que si on va sur des trucs plus vénères, on ira plutôt vers Pantera, tout ça. Où il y a quand même des super classiques, genre Cowboys of Hell. Le riff, c'est un truc de tueur. Il y a Megadeth, où il y a des super trucs. Holy War. Il défonce. Bref, voilà, il y a quelques autres trucs. On ira aussi vers des trucs plus soft, effectivement, plus le hard rock vintage, Paranoid, Black Sabbath, Deep Purple. Il y aura forcément un ou deux Led Zeppelin, parce que même si les principaux Led Zeppelin sont dans le rythme dans la peau, voilà, c'est quand même un cours qui englobe forcément le hard rock. Dans le hard rock, il y a forcément Led Zeppelin, il y a forcément Van Halen. Voilà, donc c'est aussi ça, c'est un style dans lequel souvent les gens ont des idées très tranchées, c'est-à-dire ça c'est bien, ça c'est pas bien, voilà. Il faudra être un petit peu ouvert d'esprit, il y aura forcément des tendances qui vont plus vous parler que d'autres. Encore une fois, voilà, on va brosser le tableau le plus large possible, surtout en prenant tous les groupes majeurs du genre. Voilà. Donc dans les groupes majeurs du genre, il y aura aussi des trucs un peu plus FM, voilà. Il y aura peut-être... En l'occurrence, pour l'instant, dans la liste, il n'y en a pas encore, mais il y aura peut-être un Bon Jovi. Voilà. Il y aura peut-être un Scorpion. Faudrait qu'on définisse. C'est très dur de définir le métal, en fait, puisque dans l'histoire du rock, il y a eu ce qu'on. La première grande tendance, c'était le rockabilly, il y a eu le rock. Ouais, le rock. Après, ouais. Il y a eu le hard rock. Ouais. Et après, il y a eu le métal. Et à partir de quand on quitte le hard rock, on est dans le métal. À partir de quand on est dans le thrash metal des années 2000 et tout. C'est hyper compliqué, en fait. On a fait un panachage de tout ce que vous aimiez. Ouais. Et voilà, et encore une fois, ça s'appelle le métal dans la peau, parce que c'est plus chouette que le hard dans la peau. Qui prête un peu à confusion. mais voilà, en gros, c'est un regroupe vraiment, voilà, hard rock, heavy metal, metal et tous les sous-chapelles sans fin du metal, quoi. Donc voilà, il y aura peut-être, je sais pas, aussi aller voir du côté des groupes de symphonique metal qui cartonnent, voilà, tous les Stratovarius, les Nightwish, les machins, voilà. Moi, c'est pas forcément ma came, j'en ai écouté un peu il y a 15-20 ans, mais en même temps, c'est des groupes qui remplissent Bercy, donc maintenant on appelle ça l'Accor Arena Hotel, l'Accor Hotel Arena, je sais pas. C'est aussi des trucs, il faut tenir compte de ça, il faut tenir compte des groupes plus modernes, Avenged Sevenfold, voilà, il y a plein de trucs à voir. Il y a aussi certains trucs de grunge, je l'ai écouté tout à l'heure, je faisais écouter Edouard, Them Bones, un titre d'Alice in Chains, qui pour moi est un titre absolument fabuleux, avec une rythmique en 7-8, c'est un titre fabuleux, il y a un super solo. Ça chante avec des harmonies incroyables, le son il est démentiel. Voilà. C'est pas exactement du métal, parce que ça vient dans la vague grunge, même si c'est quand même beaucoup plus saturé, beaucoup plus méchant. On est un Dandy qui est encore détuné en C-sharp, en do dièse. Voilà. Mais ça défonce, enfin, pour moi c'est un titre qui a évidemment sa place là-dedans, quoi. Bon, le métal quand même, c'est un niveau supérieur, ça se complique un peu par rapport à tout le reste. Donc, la base, c'est quand même le rythme dans la peau, ensuite le métal. Ouais, donc clairement, le aborder le métal dans la peau sans avoir au moins
4, 5, 6 mois de rythme dans la peau, c'est, vous allez vous y casser les dents. Quoi. Même si vous ne voulez pas vous frotter au solo, bah, ça va quand même... En gros, voilà, de toute façon, ça commence par des rythmiques en croche, mais qui ne sont pas des rythmiques en croche quand on les joue au bout de 3 mois dans le rythme dans la peau, c'est-à-dire en aller-retour. Là, on les joue bien que en aller. Donc, du coup, il voilà, faut au moins avoir quand même, je pense, 5-6 mois de rythme dans la peau. Bien senti. Ouais. Ouais. Je vois qu'il y a une question à Olivier qui me rappelle qu'il avait posé une question à 18h47. Les différents types de guitare, les amplis à lampe, comment est-ce qu'on règle un ampli, les différentes classes d'effets et tout. Si tu t'inscris au pack solo, t'as inclus un cours justement sur l'ampli, la guitare, comment on a un bon son avec sa guitare, comment on la règle, les différentes pédales, les différents micros qu'on utilise. Le bon son. Voilà, donc il y a déjà un cours. Là, la question est un peu vague pour faire tout un cours sur. Puis on peut juste te montrer éventuellement, on peut montrer un peu le capteur. Nous, aujourd'hui, on utilise une grosse machine. C'est une machine de modélisation, en quelque sorte. C'est une sorte de gros multi-effet qui modélise les principaux effets, les principaux amplis, et en réglant, on peut obtenir tous les sons qu'on veut. Plus avec un pedalboard, on peut changer les sons, donc c'est... C'est hyper pratique, mais on voit ça aussi dans le bon son. Voilà. Est-ce que tu peux nous montrer des plans avec des pinch harmonics? Il y a un tuto là-dessus. C'est très années 80 les pinch harmonics. Voilà, en gros, il y a un tuto là-dessus, il suffit d'aller voir les harmoniques artificielles sur notre chaîne YouTube. C'est une combinaison du doigt et du médiator comme ça. Voilà, il faut attaquer la corde, voilà, un mélange en gros plastique-peau, qui fait que cette double combinaison va faire que vous allez obtenir ce son-là. Donc c'est bien une harmonique artificielle parce que effectivement votre note qui est rajoutée par-dessus, elle change. Okay. Ce qui a été une des nombreuses grandes astuces d'Herbie Gibbons, hein, qui faisait ça. Hein. Enfin, il a fait beaucoup ça, ça a beaucoup fait marrer, il le faisait très très bien d'ailleurs. Il le fait toujours, non? Ouais. Ok, très bien. Je vois pas d'autres questions, je sais pas si j'en ai loupé. Sinon rappelez-nous, on va y répondre là. Et après on va se quitter. Je vois qu'il y en a certains qui vont déjà dîner. Ouais. C'est l'heure du repas, donc on va pas vous retenir plus longtemps. Si vous avez d'autres questions, posez-les. Je regarde là dans les commentaires. Sinon je vous rappelle, le métal dans la peau, il sort le jour d'Halloween, donc c'est le 31 octobre. Je crois que c'est un mercredi ou un jeudi, je sais pas, mais c'est prévu le 31 octobre. En ce moment, vous pouvez vous inscrire à s'accompagner à la guitare. Les inscriptions seront ouvertes pendant 7 jours. Donc j'ai mis un bouton juste en dessous si vous voulez en savoir plus. Si vous débutez complètement, c'est le pack débutant qu'il faut prendre, et il faut suivre les sons du rythme dans la peau à l'intérieur. Et voilà, si vous avez toujours des questions, des suggestions, etc., n'hésitez pas à nous en faire part. Et je regarde là. Est-ce que tu te souviens du solo d'I Wet Well? Ouais. Tu peux jouer pour faire plaisir à Vintage Bone? Thank you.
ça, mais ça tient. Ouais. Donc il y a une bonne idée de tuto ou de vidéo de Jérémy qui dit est-ce qu'on peut faire une vidéo sur comment faire comprendre sa passion pour la guitare à sa compagne ou à sa femme. Excellent, ça je retiens. Ouais. Jérôme, donc Nash, pour ceux qui le connaissent sous ce pseudo, ouais, j'ai bien reçu ton retour. Je suis en train de le lire et de refaire un cahier des charges sur la communauté, donc merci beaucoup, c'est hyper clair, hyper complet. C'est le plus complet avec celui de Philippe aussi, Philippe Initir, qui m'a fait un super retour comme le tien. JLB62 qui demande combien il y a d'abonnés chez MyGuitar. Eh bien, on est 117 000 sur YouTube en ce moment. On va voir quand est-ce qu'on cassera les 120 000 et les 150 000. Peut-être pas avant Noël, mais bon, un jour. Jérémy qui dit est-ce qu'on peut faire un recensement des MyGuitaristes par ville. Bah, on va déjà essayer par région, par ville, on verra après. Ensuite il y a la carte. Il y a la carte des MyGuitaristes. On va voir comment on l'utilise dans le futur et ce qu'on va en faire. De toute façon il y a un nouvel espacement qui arrive bientôt. J'espère que les bêta testeurs vous allez pouvoir tester la semaine prochaine le nouvel espacement. Ça devrait être cool. Espérons fin de semaine prochaine. Pour que ce soit prêt pour Halloween. Ou alors novembre, on verra. Bah, j'aimerais que ce soit plus tôt, mais bon. Autre question alors, je regarde. Alors Philippe qui dit sur la chaîne YouTube, pourquoi ne pas faire des renvois avec les leçons du rythme à peau. Alors sur la chaîne YouTube c'est un mystère, mais dès qu'on parle de nos cours, on se fait un chien. Dès qu'on fait un renvoi, on dit ça c'est dans telle leçon, dans tel truc, dans le machin. Pas, on a plein de commentaires négatifs, des gens qui s'énervent, des pouces vers le bas, et donc c'est vrai qu'on fait plus trop. Ouais. On fait plus trop de références à nos cours ou aux leçons dans les tutos qu'on publie sur la chaîne YouTube. C'est peut-être dommage. Mais en revanche, dans les leçons, on fait plus de références aux tutos qu'on a mis sur YouTube. Ouais. On dit, voilà, en complément de cette leçon, si vous voulez aller plus loin, on a mis tel tuto et tel tuto, vous pouvez aller le voir. YouTube, c'est un grand mystère pour nous. Mais on continue de le faire parce que vous aimez, et il y en a qui sont contents. Donc voilà. Alors Jérémy qui dit Siri, je t'ai ajouté sur Facebook mais tu m'as pas accepté en ami. Comment est-ce qu'on peut faire pour être ton pote? On va voir comment on gère Facebook. On est tous potes dans le groupe hein. Ouais, non, mais alors je suis pas très geek, mais il a peut-être pas vu passer hein. J'ai peut-être pas vu passer parce que généralement j'accepte tout le monde sauf les demandes cheloues de filles que je connais pas qui mettent des photos d'elles sous la douche. Celle-là, je l'ai aimé comme indésirable, mais sinon, je pars du principe que les gens qui me demandent sont sympathiques, excuse-moi, je vais regarder dans mes demandes. Après voilà, encore une fois, c'était un long sujet de plaisanterie entre Edouard et moi, mais c'est vrai que j'ai un rapport à la technologie qui est un peu lointain. Le jeu de Thierry en ce moment, c'est de voir combien d'années pourra survivre son BlackBerry qui date de 2004. Donc, autant dire que dessus, il n'y a pas Facebook. Hein. Ça, il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème. Il y a Thibaut qui demande est-ce qu'il y a des vidéos d'analyse harmonique des solos dans le solo dans la peau. Oui, quasiment à chaque leçon. Ouais, ouais. En gros, la première. Un peu moins au début, mais après tout le temps. En gros, la première année du solo dans la peau, il n'y en a pas. Parce que voilà, en fait, il y a une rubrique technique, c'est-à-dire vraiment pour apprendre les techniques qui sont dans les solos. Puis au bout d'un certain temps, en fait, il n'y a pas de nouvelles techniques à apprendre toutes les semaines. On connaît bien les tirés, les slides, les hammers, les pull-offs, voilà, les appoggiatures en slide retour, etc. Bah, bref, il y en a toute une série à apprendre, mais une fois qu'on les a apprises, bon, voilà, il n'y en a pas 50. Et puis surtout, je me dis, voilà, au bout d'un an, voilà, vous êtes un petit peu plus à l'aise, je peux vous
vous rajouter une petite couche supplémentaire. Et donc, ce que j'ai fait, c'est que j'ai remplacé la rubrique technique par la rubrique théorie, où en gros, je vous dis voilà ce qui se passe derrière le solo. Il y a tel type d'accord, tel type de progression. Voilà. On est dans tel mode. Voilà. Essayez d'entendre telle couleur. Donc voilà. À chaque fois, je fais pas un énorme cours de théorie. C'est-à-dire, si il y a le mode dorien, je ne réexplique pas le pourquoi du comment du mode dorien. Mais par contre, voilà, je vous dis, voilà, on est dans un mode dorien parce qu'il y a tel et tel accord, voilà, etc. Ça se justifie pleinement, etc. Voilà. Donc c'est un petit cours de théorie rapide, mais effectivement, il y a tout à fait un cours de théorie dans chaque solo du solo de rapport. À partir de, voilà, dans la deuxième et la troisième année. Voilà. On a une autre question d'Olivier qui demande si on a prévu de faire d'autres instruments. Alors pas vraiment pour l'instant. On nous a demandé la basse, l'harmonica, le ukulélé, le piano. Pour l'instant, il y a le chant qui existe avec Jane. Avec Cyril, on a développé une méthode de piano, mais on n'a pas le temps de la filmer et pas le temps de la mettre à disposition. Donc on verra ça plus tard. Pour la basse, l'harmonica et le ukulélé, plus tard. Pas pour l'instant. On est déjà très très occupés. Les packs artistes, c'est pour quand ? C'est pour 2020. Les packs artistes, c'est pour 2020. Rendez-vous le jour du Black Friday, je sens que les futurs membres ultimes vont être contents. Voilà. Je regarde s'il y a d'autres questions. Métal, il y en a certains qui pensaient que c'était du métal pur et dur. Ce qu'on a voulu, c'est vous faire voyager à travers les différentes nuances et couleurs de métal. Donc c'est, il n'y a pas que du trash métal hyper agressif, il y a aussi d'autres types de métal qu'on range dans la classification métal. Donc c'est très varié, mais ça vous permettra de maîtriser toutes les techniques du métal, en tout cas. Voilà. Et encore une fois, c'est un cours qui va vous demander une vraie exigence technique, donc s'il y a une semaine où il y a une chanson qui vous parle vraiment pas, bah, soit vous êtes vraiment dans une niche et vous n'aimez par exemple que le métal symphonique et que tout le reste vous trouvez que c'est à vomir, bon bah là passez votre chemin parce que voilà, il y en aura peut-être un ou deux, mais il n'y en aura pas 50. Soit vous aimez grosso modo tout le genre et vous trouvez que par exemple Bon Jovi c'est vraiment trop commercial, c'est de la soupe, bon bah si. Encore une fois, pour l'instant, il n'y en a pas dans la liste. Mais si s'il y a un Living on a Prayer qui déboule, bon, dans la semaine où il y aura Living on a Prayer, vous ferez autre chose et puis vous aurez déjà plein de choses à rattraper. Donc voilà, encore une fois, je sais bien que c'est un genre où les avis sont très tranchés. Déjà, on ne peut pas plaire à tout le monde. Et puis, encore une fois, quelque part, que la personne qui pose cette question me le prenne pas mal, mais c'est quand même un tout petit peu un truc d'adolescent. C'est-à-dire que quand moi j'étais adolescent, effectivement, il y a des groupes, c'était tout noir, et des groupes, c'était tout blanc. Certains groupes, c'était vraiment des poseurs, c'était des commerciaux, c'était que de la merde, c'était à vomir. Et puis, il y avait des super groupes qui faisaient tout bien comme il faut. Voilà. Okay. Quand on est adolescent, c'est parfaitement normal d'avoir ce genre d'avis. Okay. Jusqu'à 20, 25, voilà, c'est très bien. Après, il faut quand même relativiser un tout petit peu. Il y a des trucs... je dis pas qu'il faut aimer tout le monde, il y a plein d'artistes que j'aime pas du tout et je continue à pas les aimer, mais par contre je leur reconnais quand même un certain mérite. Et puis surtout en fait, s'ils m'intéressent pas, je passe mon chemin. Ça, je vais pas passer ma vie à me dire ah c'est vraiment de la merde. Ok, je veux dire, il y a tellement de belles choses à aimer dans la vie que faut pas s'occuper de ce qu'on aime pas, quoi. Encore une fois, soit vous aimez relativement tous les grands groupes du genre, c'est-à-dire Metallica, Iron Maiden, AC/DC, je sais pas qui en gros. Enfin, pour en citer tellement, je sais pas, encore une fois, après, voilà. Mais déjà, en gros, moi je pense qu'il y a Metallica qui est pile au centre. Voilà. Et déjà, quand on part dans Iron Maiden, on part dans un autre style. Ok, et effectivement, dès qu'on va partir vers Megadeth, Sepultura, Pantera, on va partir dans un autre style, et même déjà dans ce style, ça se subdivise. Voilà, c'est sans fin.
En gros, moi j'aurais même tendance à vous dire que c'est du rock, quoi. C'est-à-dire que je vais même pas dans la classification métal pour moi. Ok, c'est du rock énervé, c'est du rock énergique, énergique, saturé, appelez-le comme vous voulez. Mais au fond, du fond, it's just good old rock and roll, dude. Tu vois, c'est un truc, ça, c'est pas plus compliqué que ça. Et en fait, cette histoire de classification de musique, à la fin des fins, voilà, comme disait Miles Davis, il y a deux musiques, la bonne et la mauvaise, quoi. Très bien. Une question de Philippe sur le rythme dans la peau, qui est à raison de 2 à 3 heures par jour, combien de temps il faut pour maîtriser un morceau? Donc Philippe, si tu te concentres sur les leçons du rythme dans la peau, surtout celle du début, à raison de 2 ou 3 heures par jour, tu vas maîtriser très très vite tes morceaux. C'est-à-dire que chaque semaine, tu n'auras aucune difficulté à maîtriser le morceau de la semaine. Mais il faut que tu fasses les leçons du rythme dans la peau, pas autre chose. Autre question, question de Didier qui dit le plus important, est-ce que comprendre un solo c'est plus important que savoir le jouer? Note à note. Non, savoir le jouer c'est plus important. Je veux dire, encore une fois, le. C'est mieux de ne pas le comprendre et savoir le jouer que de le comprendre et de ne pas le savoir jouer. L'humanité, elle doit plus à ses idiots géniaux que à ses intelligents pas doués. Donc, oui. Vaut mieux être un peu bête et par contre jouer divinement bien que le contraire. Ouais. Si vous voulez, c'est comme je parlais l'autre jour à la masterclass, mais j'ai un ami qui parle parfaitement anglais, il peut lire Shakespeare, disons qu'il comprend extraordinairement bien l'anglais, il est capable de lire une pièce de Shakespeare dans le texte, par contre il n'est pas capable d'aller dans un bar commander une bière. Okay, le passage à l'oral, c'est un truc qui panique. Voilà. Donc, ok, c'est fabuleux de lire Shakespeare dans le texte, formidable, mais c'est un peu con-con, quoi. Je ne sais pas pouvoir en profiter, voilà, c'est super de tout comprendre l'harmonie, mais si vous n'êtes pas capable de jouer une note, quelque part, c'est un savoir un peu creux, quoi. Donc, moi, je trouve que vaut mieux jouer. Et de toute façon, sachant qu'on ne peut pas jouer éternellement sans rien y comprendre. C'est-à-dire qu'encore une fois, tous ces gens qui n'ont pas un savoir scolaire, c'est pas pour autant qu'ils n'ont pas de savoir théorique, c'est-à-dire que les bluesmen, ils peuvent pas vous expliquer par A plus B ce truc de surfer sur les deux tierces, la tierce majeure, la tierce mineure, en vous disant c'est une tierce majeure, c'est une tierce mineure, voilà, c'est la neuvième augmentée, ça ils peuvent sûrement pas vous le dire. Par contre, ils ont un savoir théorique pratique, au taquet, quoi. Okay, donc en fait, parce qu'ils l'ont acquis en jouant, parce qu'ils l'ont acquis en voyant les autres jouer et en baignant dans cette culture. Donc, je veux dire, à force de jouer, de toute façon, on développe une certaine intelligence. Il faut d'abord. De toute façon, d'abord et à la fin, il faut jouer. Quoi. Enfin, c'est tout. Mais ça, c'est aussi intéressant de comprendre. Enfin, bref, il va quand même falloir que je me rentre. Oui, il va falloir dire. Il y a plein de questions qui arrivent. Désolé, on n'a pas le temps de répondre. Il y en a une sur la guitare mineure mélodique, il y en a une sur est-ce qu'il faut mettre assis sur une petite chaise ou un tabouret, il y en a une entre la différence entre une Les Paul et une Strat, etc. On réorganisera un webinaire très bientôt et on y répondra. À savoir, juste pour la gamme mineure mélodique, il y a un tuto sur notre chaîne YouTube, les trois gammes mineures, mineure naturelle, mineure mélodique, mineure harmonique. Voilà. La question c'était, est-ce que cette gamme est abordée dans la théorie dans la peau et abordée dans la théorie dans la peau volume 2 et volume 4. Voilà, donc, mais pas dans la 1. 1 c'est la gamme majeure, 2 c'est la gamme mineure, plus c'est tous les accords, volume 3 c'est tous les modes, et volume 4 c'est tout ce que vous avez toujours voulu savoir sur l'harmonie, mais que vous avez jamais osé demander. Bah, tout est dedans. voilà, donc on vous dit bonne soirée, merci encore mille fois d'avoir été avec nous. Ouais. Félicitations à Rémi pour avoir gagné le premier défi. I Wait Well, en ce moment c'est Smells Like Teen Spirit. J'ai l'impression qu'elle est quand même plus facile que I Wait Well, donc n'hésitez pas à vous filmer encore une fois, c'est hyper important. Filmez-vous, envoyez-nous des vidéos, postez-les sur la communauté, postez-les dans le groupe, ça fait vachement progresser. L'autre annonce importante, c'est que le métal dans la peau, il sort le jour d'Halloween, le 31 octobre. Ça coûte
s'accompagner à la guitare. Les inscriptions sont ouvertes pendant 7 jours. Après, c'est fini. Il n'y aura pas de s'accompagner à la guitare pour Halloween ni pour le jour du Black Friday, etc. C'est juste maintenant, cette dernière fois de l'année. Et voilà. Et si vous débutez, surtout, commencez avec le pack débutant et les leçons du rythme d'impro. C'est le plus important. J'espère que j'ai tout bien résumé. Voilà. Merci d'avoir été là. Je vous souhaite une super soirée. Et on va finir en musique. Oui, j'ai juste un petit mot pour terminer. Je voulais remercier déjà toutes celles et tous ceux qui sont venus samedi dernier à la rencontre. Et je voulais encourager tous celles et tous ceux qui ont hésité et qui se sont dit ah, en fait, j'ai envie d'y aller. En fait, au fond d'eux, ils meurent d'envie d'y aller parce qu'ils meurent d'envie de faire la musique et de partager ça. Et ils sont quand même. Ils sont un tout petit peu rivés par leur timidité. Franchement, franchissez le pas. Okay, c'est vraiment des moments super où on partage. Tous les gens qui viennent sont hyper contents. Nous, on est hyper contents. Voilà, c'est entièrement gratuit. En plus, il y a plein de gens qui amènent des choses à manger. On mange des bons trucs. Alexis, ton gâteau au chocolat te défonce. Voilà, enfin bref. C'est vraiment des moments de super partage. Et on apprend plein de choses et on se rend compte. Donc, c'est vraiment cool. Donc, je peux pas vous dire quand est la prochaine parce qu'on en vient d'en faire une. Mais franchement, la prochaine fois, voilà, si l'envie vous a taraudé ou vous avez finalement dit non, pour une bonne raison, parce qu'on a toujours un bon truc à faire, voilà, la prochaine fois, faites en sorte de venir. Franchement, vous ne regrettez pas, c'est vraiment top, quoi. Et pour rebondir sur ce que disait Edouard, voilà, filmez-vous. Même si vous êtes timide, filmez sans votre tête. On dirait personne ne vous reconnaîtra. Vous mettez un t-shirt anonyme, blanc ou noir, personne ne vous reconnaît, personne ne reconnaîtra le mur blanc de votre salon, tout le monde a le même mur blanc. Franchement, voilà. Ne vous limitez pas le fait de se filmer. Voilà, déjà ça va vous faire un premier tour qui va être le vôtre, c'est-à-dire de dire ah ouais, en fait quand je joue ça donne ce son là. Voilà. Hyper important. Hyper important. Et puis voilà, après partagez avec des autres gens de la communauté des guitares qui sont à 99,9 hyper bienveillants. Okay. Donc voilà, qui vont vous dire tiens ça c'est bien mais par contre faites peut-être attention à ça. Et puis voilà, si vous avez la formule VIP, moi c'est toujours un plaisir d'échanger avec vous, pouvoir vous faire progresser sur tel ou tel point et de voir vos progrès. C'est toujours un grand plaisir. Donc je sais qu'il y a encore plein de gens qui ont la formule VIP qui n'envoient jamais de vidéo. Encore une fois, faites-le. Ouais. Voilà. Donc, filmez-vous, et j'ai envoyé un petit questionnaire de feedback à tous les participants de la rencontre, et donc j'ai eu des tonnes et des tonnes de commentaires positifs, et j'ai quand même eu des commentaires négatifs. Ah, alors, c'est ce que c'était. Les commentaires négatifs, c'est 1, c'est passé trop vite, et on n'a pas eu le temps de jouer autant qu'on aurait voulu. Commentaire négatif numéro 2, il y avait trop de monde et la salle était trop petite. Et commentaire négatif numéro 3, c'était il n'y avait pas d'alcool. Ça c'est pas autorisé. Bon, c'était pas autorisé dans le studio, mais bon. Voilà, en tout cas, filmez-vous, si vous pouvez retenir un seul truc, c'est ça. Filmez-vous, vous allez progresser 1000 fois plus. Donc Philippe aussi, filme-toi, ça, c'est hyper bien de se filmer. Il y a des tutos et tout sur le site pour apprendre à comment se filmer, comment les mettre en ligne et tout, donc filmez-vous et on finit. En musique, tu nous joues quelque chose ? Smells Like Teen Spirit ou un autre truc ? Et même mon Blackberry film, hein, vous n'avez pas d'excuses. Ouais, même moi, je date de 2004, il y a une résolution pour eux, mais il y a le son et il y a l'image. Allez. Bon, je vous souhaite une bonne soirée. Moi, je vais aller arrêter le live et par le tirer et nous jouer un peu de petite musique. Un petit truc sympa. À très bientôt.